voilà, puisqu'on a la MC93, je viens de la prépa de la MC93. Je suis un héritier de cette prépa. Bah, en deux mots, c'est compliqué de parler de cette pièce en deux mots. Ouais, je m'appelle Gabriel Damani. Je joue dans la pièce de Sylvain Crosbo, l'esthétique de la résistance. Et voilà, puisqu'on a la MC93, je viens de la prépa de la MC93. Je suis un héritier de cette prépa. Bah, en deux mots, c'est compliqué de parler de cette pièce en deux mots. Ainsi commence la résistance née de mon désespoir. Et pour moi, elle résume totalement la pièce. Je m'appelle Manon, j'ai 22 ans. Alors, j'ai plusieurs rôles dans la pièce. Mais on va dire que le rôle principal que j'incarne, c'est Rosalinde Osiecki, qui est une femme qui a vraiment existé. Il y a beaucoup de choses qui sont singulières. Je pense que moi, ce qui me touche le plus, c'est que c'est la façon dont ça résonne avec ce qui se passe en ce moment. C'est à double tranchant dans le sens où moi, ça m'a sensibilisé énormément par rapport aux besoins et au fait que ce soit nécessaire, même actuellement, avec tout ce qui se passe, tu vois, de s'engager et de lutter. Quand tu vois le parcours et le trajet de ces gens-là et de la plupart de ceux qui ont pu aller au bout entre guillemets de cette lutte et en parler, je veux dire, tu vois à quel point c'est destructeur aussi une lutte et à quel point genre c'est un combat à part entière, tu vois. Alors moi je pense qu'il faudrait, enfin juste lui donner un truc pour que ce soit peut-être plus clair, plus l'ironie. Parce que pour comprendre l'ironie, ce qui serait bien, c'est que la mère, elle dise au début de la réplique, ou qu'on réécrive juste la première phrase, pour qu'on entende que ce qui est marrant, c'est que les descendants des esclaves, ils ont dépassé la contradiction dont tu parles. Oui. Ils ont pris les trucs, ils en ont fait le machin. Ils ont retourné, ils ont transformé, ils en ont fait des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y ait le mot contradiction sur lequel tu viens t'appuyer pour dire. Puisque lui, il faut qu'on s'éduque politiquement, c'est hyper important. Et tu vois, j'avais énormément de retard moi en commençant cette pièce. Je veux dire, c'est cette pièce, c'est Sylvain Crosbo et la lecture de ce livre, moi, qui m'ont éduqué politiquement. Je suis pas historienne et tout, mais voilà, 2023, 1923. Si on fait l'analogie, en termes de cycle de remontée du fascisme à chaque fois, c'est comme si là on était au début, voire même bien avancé dans un système là autour de nous qui est déjà très très fasciste. Le fascisme a fait un buzz de malade. Il est en top 8 depuis bientôt 4 ans. Moi, petit maghrébin, encore frêle, au bras sec et au pec saillant, je vais me hisser au sommet de ce mât, revêtir un sourire des plus éclatants de la victoire du communisme et aider ceux qui en ont besoin rien qu'avec un point tendu. Une grande émulsion. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est ça aussi, être un groupe. Et on s'influençait tous et toutes sur c'est quoi le théâtre pour nous, dans quoi on veut amener les autres. Du coup, c'était beaucoup de joie et de partage de connaissances théâtrales différentes, parce qu'on est tous très différents et différentes. Et du coup, c'était un groupe qui se forme ensemble et qui avance ensemble vers une forme faite de plein de petites formes. Bah moi c'est une fierté de ouf de revenir ici à la MC93, c'est ma maison, tu vois. Genre c'est ici que j'ai fait mes premiers pas dans le théâtre. Il y a une ambiance magnifique, tu vois, on est en plein Bobigny et je suis trop content, c'est un honneur.